Mais dans le christianisme, on pose des questions. Quelqu'un a dit, c'était Galilée, n'est-ce pas, que la terre tourne tout autour. Et ce qui est étonnant, que ce sont les chrétiens qui l'ont tué. Ce sont les Jésus qui l'ont tué. C'était à l'époque où c'était la papauté qui régnait. N'est-ce pas? Mais s'ils avaient lu un petit peu le livre de Job, je parle des chrétiens, où Dieu lui-même dit que c'était terre espérée et suspendue sur elle-même. C'est dans la Bible. Ce n'est pas dans ton livre de science, dans la Bible. Hello? Non, tu sais quoi? La lumière de la tête. Il y a une lumière dans ta tête. Et cette lumière s'appelle l'intelligence. Écoute, ta vie ne doit pas changer parce que tu as prié. Mais ta vie va changer parce que tu as reçu la lumière. Écoute-moi bien. Quand la lumière jaillit dans ta tête, tu fais les choses tout naturellement comme tu devrais le faire. Non, une fois. Parce que dans le Pentecôte, on t'a enseigné que des mystères. Écoute, qu'est-ce qu'on appelle lumière? Voir comment la lumière agit. Il y a la lumière dans cette salle. Le micro, c'est à quelle couleur? Tu as fait comment pour connaître? Tu connais seulement. Pourquoi? Parce qu'il y a la lumière. Quand Marie est entrée chez Élisabeth, a dit salut. Là et là, elle a répondu, d'où vient-il que la mère de mon Seigneur? Oh, il n'avait encore rien partagé. Mais la Bible est remplie du Saint-Esprit. Elle a directement su qu'elle porte dans son ventre Dieu. Jesus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout d'un coup, elle a su. Quand la lumière brille dans ta tête, tu connais. Oh my Jesus. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Combien d'entre vous savent que Daniel ne priait pas pour interpréter un songe? Ne confond pas les choses. Il a appelé ses amis de prier pour que le songe de Nebuchadnezzar soit révélé. Mais il n'a pas prié pour que je donne l'interprétation. Quand tu disais un songe, il connaissait. Quand tu disais un songe à Joseph, il connaissait. Are you there? Quand tu disais quelque chose, j'ai eu ce songe. Il dit, voilà l'explication. Il ne rêvait pas. Ce n'était pas une vision. Quand Adam se levait de son sommeil, il a vu Ève. Il a dit, celle-ci est sortie de moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu comprends quelque chose? Ce n'était pas un rêve. Pentecôte, comment ça arrive moi? Parce que ton rêve te crée plus de problèmes que de solutions. Oh, let me say in dialect. Commence à recevoir moins de prophéties. Écoute-moi bien. Que je parle en langue vernaculaire. Certaines vies sont détruites aujourd'hui à cause des prophéties. Hein? Now what's he? Let me see you go die. Are you still alive? Go and send back the coffin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais dire à quelqu'un, rêve-moi. Ou encore ton rêve n'est pas l'accomplissement. Ton rêve est te dit qu'il y a quelque chose qui se signe dans l'horizon. Donc lève les yeux, commence à regarder. En d'autres mots, commence à réfléchir sur le rêve. Oh God, help me to pass out this thing. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand le père de Jean-Baptiste, le père Jean-Baptiste, il parle de la lumière d'amour qui les avait visités. Le soleil levant. Quand il parle du soleil levant, il parle de la connaissance. Il parle du soleil levant, il parle de Jésus-Christ, le Messie. Ce soleil qui a brillé la terre quand il n'y avait pas encore la lumière. Écoute-moi bien.
Le premier jour de la création, il n'y avait pas le soleil. Le deuxième jour, il n'y avait pas le soleil. Le troisième jour, il n'y avait pas le soleil. C'est Jésus qui priait. Oh God. Et un jour, il a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Are you there? Si tu me suis, tu ne marcheras pas dans les ténèbres. Combien d'entre vous savent que dans une maison noire, obscure, si la lumière brille dans ta tête, tu connaîtras le chemin. Oh my God, can I just say it again? Je pars dans une maison complètement noire. Tu ne connais pas là où se trouve la porte. Et on n'éclaire pas la lumière. Il veut de la lumière ici. Mais la lumière s'éclaire dans ta tête. Mais la lumière brille dans ta tête, tu vas connaître le chemin. Tu ne crois pas? Va demander à Lazare. Il va te dire, j'étais encore dans la tombe, il n'y avait aucune lumière dans cette tombe. L'obscurité, j'avais deux couches d'obscurité. D'abord, la tombe qui, le tombeau qui était scellé. Numéro deux, ma tête était bandée. Mais quand Jésus a dit, sors, la tombe là avait une forme d'aile. Je suis sorti. Can I say it again? Les yeux bandés, Jésus a dit, sors, il est sorti. Jésus a dit, enlevez les liens là. Regarde comment, voici la tombe juive. Ça vient comme ça. Ça va comme ça. Les femmes ont deux chambres. Je ne connais pas combien de chambres avaient pour l'autre. Jésus a dit, sors. Il était couché quelque part ici. Lazare, sors. Les yeux bandés. Oh, je vais te dire comment était la bande là. Il y avait d'abord des parfums qu'on mettait, c'était quelque chose de collant. Quand on met ça colle, les bandes là. Mais avec ça, il est sorti. Frère, c'est pas ça que tu as besoin pour prospérer. Tu as besoin d'une lumière qui brille dans la tête. Oh, Jesus. Quand la lumière là vient, si tu es coiffeuse, tu vas sortir des coupes de coiffure que personne n'a encore sorti. Quand la lumière là brille dans ta tête, si tu es couturier, tu vas sortir des styles que personne n'a encore sorti. Oh my God. Quand la lumière là brille dans ta tête, tu fais des choses extraordinaires. Tu crées des choses qui dépassent l'imagination de l'homme. Tape encore ça à 15, dis que rêve-moi. Dis chrétien, rêve-moi. Je ne dis pas que le rêve n'est pas important. Je ne dis pas que la prophétie n'est pas importante. Non. Ces choses sont importantes. Mais notre problème est que nous avons fait de ça l'ultime. Non, la croix n'était pas bien. Pourquoi ce n'était pas bien? On n'a pas prophétisé sur moi. Regarde comment tu es bête. Qu'est-ce que tu as fait de cette prophétie? Tu ne sais pas encore accompli, tu cherches encore l'autre. Comment tu marches pour chercher les problèmes? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Dis à quelqu'un que ta lumière brille. Que ta lumière brille. Il dit, ton œil est la lampe de ton corps. Si ton œil est en train de voir, tout ton corps sera éclairé. Non, que je mette sa langue vernaculaire. Si la lumière qui est dans ta tête commence à briller, ta vie va briller. Oh God. Am I talking to somebody tonight? Si la lumière qui est dans ta tête commence à briller, ta vie va briller. Ta vie va changer. Tu vas voir des choses que les autres n'ont pas vues. Tu vas apporter une solution là où il n'y a pas de solution. Tu vas parler comme là-bas, mais ça va s'accomplir. La Bible dit qu'ils ont l'intelligence obscurcie. Pourquoi ils avaient l'intelligence obscurcie? Nous sommes dans Éphésiens chapitre 4, verset 18. Pourquoi leur intelligence était obscurcie? La Bible dit qu'ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux. L'ignorance, c'est quoi? C'est les ténèbres. Donc, ce qui a rendu leur vie obscure, c'est les ténèbres. Mais quand vient l'information, la lumière brille et la vie change. C'est quand de me saisir. Est-ce que c'est quand de me saisir? Jésus dit que ta lumière brille. Comme une lampe brille et éclaire la maison, que ta vie doit éclairer les autres. Oh, Jesus.
connaître, il n'y a pas d'effort. Ça vient comme la lumière. Écoute-moi. Si nous éteignons ici et que nous réallumons, tu ne dois pas avoir un processus. Le reste est dans le mécanisme. Loin de toi, ça va seulement briller. Frère, il y a une lumière qui vient de Dieu. Quand cette lumière est manifeste en toi, tu connais et tu connais que tu connais que c'est ça. Est-ce que tu penses que tu peux donner une explication viable de l'existence de Jésus dans ton cœur? Non. Mais tu connais qu'il est là. Et tu es prêt même à mourir qu'il est là. Quelqu'un aujourd'hui va connaître. Et quand tu vas connaître, tu seras prêt à mourir pour ta vision. Ce qui me dérange,